Bonjour à tous, bienvenue sur palom.org. Alors, hier, il y avait du brouillard. Donc, du coup, je me suis douté qu'aujourd'hui, dimanche, il y aurait aussi du brouillard. Donc, comme c'est ma chasse préférée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai ressorti 4 pigeons et je les ai mis au nord-ouest. Pourquoi je les ai mis au nord-ouest? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà la girouette. Et la girouette nous annonce un vent de est-sud-est. Donc, du coup, j'ai mis les appos au nord-ouest. Voilà. Et grâce à ça, j'ai pu poser quelques vols, puisque sur hier soir et aujourd'hui, je suis à 10 poses. Bon, ceci étant dit, 10 poses pour le moment. Ceci étant dit, ce matin, c'était super parce que il y avait du brouillard et donc on chasse à l'oreille. Et moi, c'est ma chasse préférée parce que vous chassez à l'oreille deux coups d'appôt. Et si vous avez des raquettes avec des pigeons qui claquent bien, il faut des pigeons qui ont les plumes de la queue qui soient aussi longues, les plumes des ailes qui soient aussi longues que les plumes de la queue. Et là, quand vous avez des pigeons bien feignants qui tapent sur des raquettes de 90, 95, là ça fait venir du monde. Et donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai pu faire quelques pauses. Alors, j'ai raté mon coup parce que il y a des fois, les palombes, elles se posaient et je ne les voyais pas. Et quand on est par brouillard, on les voit au dernier moment se poser. Mais c'était assez sympa et j'ai pu booster un petit peu les prélèvements et surtout le nombre de pauses. Voilà. Donc là, ce soir, je vais continuer. Alors, pourquoi je me suis remis 4 pigeons? Pour une raison qui est toute simple. Mercredi dernier, j'étais à Bordeaux, sous le pont du TGV de la Dordogne. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des vols de grues. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais la migration n'est pas terminée. On est au mois de décembre et la migration n'est pas terminée. Et c'est vrai, la migration n'est pas terminée. Aujourd'hui à midi, il y avait des passages de grues, il y avait du passage de grives, il y avait du passage d'alouettes. Donc les palombes qui sont arrivées là, elles ne sont pas arrivées par l'opération du Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'elles sont remontées de l'Espagne ou est-ce qu'on s'est descendu du centre? Je n'en sais rien, je ne peux pas le dire. Mais en tous les cas, il y a de la palombe et elles ont de quoi bouffer avec tous les glands qu'il y a. Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce matin, j'ai pu poser un vol rien qu'en les chantant. Je n'ai pas touché les appos. Rien qu'en étant chantant, j'ai posé 200 palombes. Voilà. Ça, c'est le top. C'est le top. Voilà. Bon, par contre, vous le verrez, j'ai malheureusement un pigeon qui s'est fait attaquer par la buse et qui s'est fait bouffer. Voilà. Bon. C'est triste parce qu'on y tient à nos pigeons et bon, c'est toujours un moment délicat et difficile. Voilà. Allez, à très bientôt sur palom.org.